Prends le temps de savourer sa présence. Prends le temps de savourer. Il n'y a rien comme ta présence. Je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence. Je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence. Je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence. Je désire être près de toi. Oh, si tu as ce désir, tu peux commencer à élever ta voix et prier. Je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence. Il n'y a rien. Il n'y a rien comme ta présence, je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence, Seigneur, je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence, je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence, je désire être près de toi. Seigneur, je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence. Je ne désire que t'adorer. Il n'y a rien comme ta présence. Je ne désire que t'adorer. On y va. Il n'y a rien comme ta présence. Je ne désire que t'adorer. Sa présence est précieuse ce matin. Dis-le encore. Dis-le. Il n'y a rien comme ta présence. Je ne désire que t'adorer. Il n'y a rien comme ta présence. Je ne désire que t'adorer. Mon Dieu, je ne désire que t'adorer. Cela mon désir.
nous sommes les soldats. Tu es encore tué. Ce matin, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Le Seigneur m'a révélé une fois, dans le temps d'adoration, que dans sa présence, il n'y a rien qui peut rester immobile. Ce matin, lorsque tu es assis, peu importe où tu es, si tu peux bouger une orteil, bouge une orteil. Si tu peux cligner des yeux, cligne des yeux dans sa présence. Si tu peux commencer à marcher et dire tu es Dieu, et il n'y a personne. J'aimerais que tu prennes ta liberté dans ce lieu ce matin. J'aimerais que tu prennes ta liberté dans ce lieu ce matin. Ah, voilà ce que je vois. Josaphat a trois peuples qui se liguaient contre eux. Et lorsqu'ils ont reçu une stratégie de l'Éternel, la stratégie, c'était envoyer les chants de louange devant et voyez ce que l'Éternel va faire. Ce matin, je veux déclarer que nous sommes l'armée. Nous sommes les centres qui marchent devant l'armée de l'Éternel. Et ce matin, je veux déclarer qu'il y a des victoires dans ce lieu. Tu es Dieu, tu es Dieu.
siéger dans ta vie. Alors que tu le loues, reçois le trône de Dieu. Oh, le trône de Dieu. Le trône. Le trône. Le trône de Dieu. Amen. The establishment of God in this realm. Now, in the name of Jesus. Nous établissons le trône de Dieu. Nous établissons le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Souverainement élevé. La majesté de Dieu. La majesté de Dieu. Oh yes. Oh mon Satan. Le roi est ici. Le roi est dans ce lieu. Le roi. Et il est assis sur son trône. L'Éternel était sur son trône. Lors d'une élise. Et sur son trône, il règne éternellement. Oh, roi de gloire. Oh, est-ce que tu peux l'élever pendant quelques secondes? Est-ce que tu peux prier pendant quelques secondes? Ce matin, je crois sincèrement. Ce matin, je crois comme tout comme pour Josaphat. Tout comme pour Josaphat. Et le peuple d'Israël. Après sept ans d'adoration, la confusion c'est dans le camp de l'ennemi. La confusion est pour le camp de l'ennemi. Et si vous lisez cette histoire, après la louange, après qu'ils se sont mis à adorer et à célébrer Dieu, les peuples se sont anéantis entre eux. Mais ce qui est le plus beau, c'est que l'Éternel a dit, allez ramasser tous les trésors qu'ils ont laissés. Ce matin, je crois qu'il y a des trésors dans ce lieu. Alors que nous l'adorons, alors que nous le célébrons, il y a des percées en ce lieu, des percées surnaturelles, des choses que vous n'attendiez pas. J'aimerais vous dire que notre Dieu est fidèle à sa parole. Ce matin, je ne veux pas juste chanter des chants pour les chanter sans que vous alliez dans sa présence par vous-même. Alors qu'on chante ces paroles, si tu veux avoir les mains levées, tu veux être à genoux, allongé, peu importe. Mais j'aimerais que tu lui dises, Seigneur, tu es Dieu. Hier, nous avons parlé de « Je me souviens ». Et très certainement, nous chrétiens, nous avons tendance à vouloir nous plaindre parce que nous avons oublié. Ce matin, dans ce lieu, quelqu'un se rappelle de sa fidélité. Ce matin, dans ce lieu, quelqu'un est en train de se rappeler que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alors, pourquoi me soucier des épreuves? Pourquoi me soucier des montagnes qui se dressent devant moi? Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce matin, ce n'est pas par la force de Jean-Jean, la force de l'équipe EMC, mais c'est par la force de l'esprit de Dieu. Ce matin, je ne veux pas te donner des ordres, j'aimerais que tu sois dans une position de révérence. Lève tes mains, mets-toi à genoux, mets-toi dans une position. Est-ce que tu dis, Seigneur, oui, c'est toi la majesté. Seigneur, c'est toi. Ce matin, personne d'autre que toi. Et nous voulons te remettre à ta place. Oh, par la place qui te revient. C'est toi le roi ce matin. C'est toi la majesté ce matin. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi. My God, my God. Tu es Dieu. Ouais, 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 ouais. Obtiens ta percée.
et tends tes mains pour ta percée. Fais comme la femme, perte de sang. Peu importe le temps que tu attends ce matin, fais un effort et tends tes mains et touche le pan de sa robe, parce que le roi est en ce lieu. Le roi est ici. Le roi, celui qui siège sur le trône, très élevé. Oh, son éclat remplit le temple. Oh, les anges crient saint, 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 l'éternel des armées. Saint, 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 l'éternel des armées. Saint, 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 l'éternel des armées. Tout ça, c'est pour toi.